Très bien. Monsieur le maire, mais je termine juste avec justice pour Dougouti politique avec Yaw Dougouti, ben point, bien ramener Mangti Bogodougou. Aujourd'hui, maître, grève de la faim, bien ramener Berina a été détenu politique et ramener Def Nanyoko, pour nous interroger l'histoire à travers le monde. Aujourd'hui, Ousmane Sonko Defko, ben nous annoncer ça, bien ramener Momoy, ses avocats, ne amener Fébar, bien ramener Def Nanyoko, moui insuffisance rénale, nous voir Lolo. Est-ce que Lolo, mène dem peut-être nous alléger mou bénéficier ou lo xamté dina ko meuna guenné tu fekké né dem na bam commencé ko sonal ci walu droit waaw ci walu droit meun na nek parce que droit bi limu wax dafa lèr code procédure pénale bi néna bu fekkenté ni nit ki nga tejj kasso dafa tawat bu nga xamanté ni meun ta and ak di dundu ci bir kasso bagn la wara guenné la loi bi wax lolou c'est clair donc suñu démone bañu constater par des sachants madame des médecins ñu constater que ni état am ak milieu carcéral bi mu ñu fa dundu loi bi dafa ne dañ koy bayyi la loi bi wax na de loi bi neena dañ lay bayyi parce que nak la justice est humaine. Oui, il faut humaniser la justice. Humaine. Oui. Justice, il faut humaniser justice, la justice. Justice, les gars, tu as fait un job, tu as fait un job. C'est ce que tu as fait. Mais quelquefois aussi, il faut reconnaître que l'arme là, pour la maintenir, les gars, ils ont utilisé. Ah oui, à vous entendre. Les gars, ils ont utilisé. Ils ont utilisé. Da nga né arme le buñu utiliser est-ce que non mais est-ce que da nga ci am ay doute non du question dama ci am ay doute mais dama né lolu aussi dé yow sax xam nga ko xam nga ni parce que gaay avocat nga vous da ngay dem xam nga ni gaay des fois dañ koy utiliser pour mëna guenn do lolu c'est normal xam nga nit boko téyé il faut mu def ay pexé ba guenn ci lolu faut mu def ay pexé ba guenn ci lolu mais dal li lèr ba lèr moy loi bi néna bu fekkenté ni ci bir prison bi am nga fa tawat bu nga xamanté ni mengo wul ak ngay dëkk ci kasso diñ la wara guenné ça c'est la loi qui le dit té bi sax moy gëna yomb ci mom parce que procédure d'instruction moko fa dé pas la peine de 2 ans. C'est clair. Alors, professeur, am nga ay nouvelam Ousmane Sonko par rapport à la grève de la faim bi ñuy wax, gis nañu des membres de la société civile, également des politiques, yu ko bind lettre pour que mu arrêter lolu. Bobu ak légui, yeen nouvelle nga ñu ci mëna wax? Non, man amuma ben nouvelle Ousmane, budul les nouvelles jugé ci ay avocats. Les avocats ñi bind tay nouvelle bobu la am, mais wax bi ñu wax ak li ñu bind texte bi sok xolé Ousmane non la wax. Maître limi wax wala amna nit ñoo xamni donc bëgg gën mais Ousmane c'est un grand guerrier, c'est un combattant, c'est un patriote convaincu. Yag na ko wax. Ousmane Sonko du kuy tapalé. Ousmane Sonko du ku ñuy tital wala kuy dugg kasso di xof wala ñukoy xoxatal. Yag na ko wax. Connaissant l'homme, man je sais que fa mu nek mom dans sa tête il est libre, ñiko fa tek ñoo libreul. Et d'ailleurs, xamna lool benen bi ci top nak moy nouvelle yi ñu am moy nouvelle yoy. Donc mom il demande aux autres de cesser la grève de la faim. Man mi suma sañon mu bayyi grève de faim bi gisuma ko dem na au tribunal pour un permis d'ailleurs avant ñukoy interné kérok mais voilà on n'a pas pu avoir des permis pour gisko parce que c'est pour parler avec lui et il y a beaucoup de gens qui parlent avec lui mais nit ko xamantene la dama ko comprendre ci situation bi parce que dafa seuss Ousmane Sonko c'est quelqu'un ko xamné luñu yëkëti tek ko ci kawam parce que c'est un homme politique qui dérange Ousmane Sonko luñu yëkëti tek ko ci kawam parce que il dérange le système benen bi ci top moy Ousmane Sonko c'est la seule personne bo xamanteni ni mom liñu jël des procédures diko accélérer ma jox la exemple dañuy wax affaire de diffamation benen procédure buñ ko tégal dans l'affaire Madiambal Diagne ak Touleymane Telwiko fan la tollu ba tay té pourtant diffamation dañuy wax nañu respecter justice dans cette affaire magistrat lañu gakkal deram ay magistrat sénégalais ñom ñoo wax né dañoo gakkal sen der juge jël décision ci lool pourtant l'affaire ken accélérer wu ko dé mais quand il s'agit de Ousmane Sonko dañu koy baral motax mané la tout ça c'est alors, politique benen bi ci top fi ma bëgg léral moy lan Ousmane Sonko ñi communiquer ci mom man je pense que d'ailleurs ci lolu lay teunku moy ñi ko jégué ak ay avocats am et je pense que li avocats am wax
lolu la gëm buñu génné nak kérok gis na ñi wax naan way et cetera nekina de toute façon Ousmane Sonko comme lima wax du nit kuy tapalé du nit ko xamanteni aussi day waxantu benen bi ci top nak maintenant moy état du Sénégal jël na plus de 800 personnes wala luko djégé def leen ci kasso bi ñu ci bari ñi ngi def grève de la faim lolu lañ lay undu du parce que ñoñu dañuy wut arme pour def lolu mais c'est parce que tout simplement ils sont en train de résister à leur manière. Parce que nous faisons la résistance à l'oppression a commencé par les manquements aux règles de procédure et aux règles de droit. Alors, tu, peut-être nous avancer un peu, Monsieur le Maire. Dougou, tu l'as ramené là, que intéressé là et nous également dirons-tu nous accueillons. Mui contexte binyonekni. Ousmane Sonko en prison, très affaibli également à grève de la faim. Mou Amfébar, c'est au même moment le nous scission bi. Friction bi ci bir coalition yewi askan wi ci tan kan moy nek le premier adjoint ci mairie bi gis nañu vote bi ak lepp li nga xamné jour nako lolou yow ban lecture nga ñu ci defal d'abord mais lecture bu yomb d'abord bal ma ci dugg pour rebondir ci situation bu spa nek ici ma ngi koy ñaan wax deug yalla mu arrêter grève de la faim. Nous sa bravoure, nous sa combativité. Je pense que nous allons continuer à résister autrement que de faire la grève de la faim. Nous avons Ousmane Sonko bien portant, pas pour affaiblir. Voilà, malade à un tel point que nous avons une dirigeante. Maintenant, par rapport à l'élection bureau municipal de ville de Dakar, oui. Mais c'est très clair. C'est suite à une décision de justice. Observatoire des femmes, nous avons attaqué le non-respect de la parité du bureau municipal de la ville de Dakar. Man bokna ci ni japon ni parce que lolu dal ville de Dakar dal na ma dans ma commune où je suis maire. Dama japon ni li fal maire bi ak li fal bureau municipal bi c'est deux types d'élections complètement différents. Donc le maire warul dugg ci considération. Si nous avons une décision de justice, nous allons renouveler le bureau municipal. Le premier adjoint, parce que nous sommes passifs, et d'autres partis membres de Yewi Askani, nous avons donné au suffrage des Sénégalais pour conquérir la ville de Dakar. Écoutez, ce n'est que mais au regard de la complicité de Barthélémy Diaz et Abbas Fall, je sais que c'est beaucoup. Quand nous sommes dans le bureau municipal, Barthélémy Diaz, nous avons le bureau municipal, mais nous avons demandé de nous faire un poste. Bi moy poste, premier adjoint, nous avons même Maïko Abbas Fall. Qui dit Ibrahim Seydi, nek HLM, dama japoni de subir injustice dans notre coalition de Taro au Sénégal, dama ñaan ngeen même ko pour ma def ko adjoint ville de Dakar. Qui moy Palassam, bokk na ci ñima jëk andal pour def dox mbokk. Mais ñun nangul ko lolu. Si nous avons maintenant le bureau municipal, mais nous concertons au niveau des leaders de Yewi Askanu, comme au niveau de la coalition Yewi Askanu du département de Dakar. Nous avons aujourd'hui même composition conseil municipal. Nous avons concerté ou discuté pour être à la place de Yéjel. Voilà. Oui. Et même, il y avait des quotas en quelque sorte. Sur cette base-là, oui. Même ça, nous avons beaucoup de temps au Sénégal, nous attaqué. Parce que nous considérons à l'époque que Yewi Askanu, c'est une somme de partis et de coalitions de partis. Quel est le gouvernement a une représentation au niveau du conseil municipal. Les 100 conseillers, et particulièrement conseiller Yewi Askanu, pour l'essentiel, est représentant de partis ou de mouvements à l'échelle du département. Mais non, nous avons travaillé le bureau municipal. Les décisions de justice, nous avons fait le premier adjoint qui donne 10 et non que. Mais là, ce qui est le problème, le maire, qui est générosité, nous allons mettre en place un comité restreint. Et j'aurai instruction du comité restreint pour me rencontrer les conseillers du PASSEF, les conseillers du PUR, les conseillers du Bisbignac, et les conseillers individuels. Parce qu'il y a plusieurs partis qui sont représentés à la ville de Dakar. Nous même allons rencontrer les conseillers Benno Bokyakar. Parce qu'au début, quand nous avons le bureau municipal, sur instruction des leaders de Yewi Askanu, nous avons une recommandation aussi. Si vous avez le bureau municipal, vous avez un bail ou Benno Bokyakar. Parce que le nombre de conseillers de Benno Bokyakar au niveau de la ville de Dakar, si vous avez 33.
c'est pratiquement le tiers du conseil municipal qui fait 100 conseils. Et donc, c'est logique. Mais quand on a fait une proposition, on a décliné une proposition. Quand on a eu des discussions, des échanges pour un consensus, on a comme que premier adjoint, Barthélémy Diaz m'a mis à Basse-Fal. Et puis, on a dit que Barthélémy Diaz ne veut pas. Ngone Mbengue mi nekone deuxième adjoint nek premier adjoint. Légui monsieur le maire buñu taxaw fofu bu féké né il y avait un consensus bu féké dafa amone ay quota parce que né nga dañu ko waxtané au sein de yewi ci comité restreint ou day am ay quota ki day jël li ki day jël est-ce que le poste du premier adjoint au maire nam buñu respecter parité wol won revenir le premier adjoint wol won revenir à quelqu'un de pastef manam quelqu'une ben jigen. Il faut arrêter. Non, je pose le poste de premier adjoint n'a jamais fait l'objet de discussion au niveau de la coalition. Non. Pour le bureau municipal, il n'y a pas de Barthélémy Diaz, dont le poste de premier adjoint. Ça n'a jamais fait l'objet de Wartan Tibir. Coalition, ni au niveau du Libé, ni au niveau du département de Dakar. Maintenant, situation, si vous avez dit, sans que je si Ousmane Sonko, situation, est-ce que maximiser Tahaou, madame le maire de Tahaou, le premier adjoint Tahaou, Dindi Abbas Fall, est-ce que nous avons fait Tekfa, ben premier adjoint, vous avez fait Djoké Pastef? Non, le problème, ce n'est pas un problème du premier adjoint et deuxième adjoint. Ah oui. Savez, il faut qu'on évite aussi, il y a un débat. Ça nous avance. Parce que le communiqué, le lieu de Wagnum également, d'affaires, Batar Nugué, d'Entaro, Dakar, après de l'Intignon. Dans l'Union, tu communiques. Oui. Je l'ai dit hier, je ne suis même pas adjoint au maire. Je suis maire de commune. En 2009, j'étais le premier adjoint de Khalifa Sall. De beaucoup de parti. Donc, tu peux voir un conseil simple, beaucoup plus productif que même l'adjoint au maire. Donc, Bouyouni et Ville de Dakar, il n'y a pas de parti. Le seul parti pour nous au niveau de la ville de Dakar, c'est la ville de Dakar. Donc on vient pour servir la ville. On vient à la ville pour travailler. Donc il y a une question de quota au parti. La preuve, nous sommes parti. Pourtant, ils sont membres du bureau municipal. Le parti PM de Habib Sy. Mais ben conseiller là, et pourtant, il est membre du bureau municipal. Bon demain, le parti de comment il s'appelle encore, l'ancien président du conseil régional de Dakar, Gakou, Malik Gakou. Mais trois conseillers là, et pourtant un membre au niveau du bureau municipal. Bon demain, parti Girassi, ben conseiller là, et pourtant il est membre du conseil municipal. Donc pour dire que cette fois-ci, toutes les forces présentes au niveau du conseil municipal sont représentées au niveau et du bureau municipal. Et pourtant, le communiqué parle quand même d'un acte de trahison. Vous savez que vous avez fait des choses à Pastef et que vous êtes allié avec ses adversaires dans la charte. C'est ce que vous savez que vous avez fait dans la charte. Je m'inscris en faux par rapport à ça. D'abord, revenir sur le communiqué. Quand on a fait le communiqué, ceux qui ont trahi.